Notre prochaine participante est en solo. Elle nous vient d'un MMORPG coréen. Toujours Ayon. Je vous demande d'applaudir très fort une Élyséenne. Allez, Japan, on se réveille là. Oh. Salut, moi c'est Robert, j'ai 46 ans, je suis toujours puceau, j'habite chez mes parents, et surtout, je suis geek. Mon jeu du moment, c'est Ayon, et voici mon perso. Une tank à la tenue moulante, les cheveux longs, une belle poitrine, des fesses généreuses, la fille de mes rêves quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je peux mettre mon perso en sous-vêtements. Et maintenant, allons explorer. L'avantage d'Ayon, c'est qu'on peut voler. Mais quand on a un PC qui rame, ça donne ça. Merde, un arbre! Oh, de nouveau, se font attaquer par un asmo. Allons les aider. Robert, attrape! Bonne chance, les gars, je vous laisse. Déconnexion du serveur. Bonne appétit à jour une Élyséenne de Ayon, participante B4. Merci à toi. Nos prochains participants sont un groupe d'un jeu que je pense que tout le monde connaît. J'espère que tout le monde y a joué au moins une fois à un des opus de cette série. Si je vous dis The Legend of Zelda, nous allons parler de l'opus Twilight Princess. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Ganondorf, Link et Zelda. On les applaudit, allez! Quelques accessoires avant ça. La légende raconte qu'après avoir créé notre monde, les trois déesses se retirèrent. Elles laissèrent quelque part dans le royaume d'Hyrule une relique sacrée, la Triforce. Celle-ci permettrait à celui qui en rassemble les trois fragments de voir son vœu le plus cher exaucé. Ganondorf possède le fragment de la Force. Il y a une centaine d'années, il tenta de s'emparer des deux autres par la violence, mais les sages gardiens de la Triforce l'en empêchèrent, et il fut emprisonné dans le royaume du crépuscule. La princesse Zelda est la détentrice du fragment de la sagesse. Elle régnait en paix sur le royaume d'Hyrule, jusqu'à ce qu'un assaut des forces du crépuscule ne l'oblige à abdiquer. Enfin, Link est un fermier vivant dans un petit village du royaume. Élu par les déesses pour être le détenteur du fragment du courage, son destin l'amènera à résoudre des énigmes compliquées et à affronter de terribles ennemis. Ah ouais, de terribles ennemis, disais-je. Heureusement, pour l'aider dans sa quête, il trouvera de nombreux coffres contenant trésors et puissants artefacts. Vous avez trouvé un gros rubis violet. Il vaut vraiment beaucoup d'argent. Mais celui-ci ne rentre pas dans votre sacoche. Voulez-vous le replacer dans le coffre? Ou répondre non à cette question pour que je vous la repose en boucle jusqu'à ce que vous cédiez? Mais Ganondorf, qui dirigeait dans l'ombre l'attaque des armées du crépuscule, surgit alors pour enlever la princesse. Armé de son épée légendaire, Link va devoir l'affronter. C'est ainsi que cette histoire resta nommée dans les mémoires, la légende de Zelda. Même si, bon, objectivement, on peut considérer qu'elle a pas fait grand-chose. On les applaudit.
très très fort. Le groupe de Legend of Zelda participant B5. Merci à vous. Excusez-moi. Il revient donc plus tard pour les photos, vous les verrez dans la convention pour les photos, vous inquiétez pas, ils adorent ça, ils se nourrissent, je le répète, les cosplayers se nourrissent de flash. Notre prochain participant est le participant C4 pour notre jury. Je vous demande d'accueillir un jeune cosplayer qui vient d'un jeu MMORPG coréen, du jeu Lineage 2. Je vous demande d'accueillir un Sagittarius, on l'applaudit très fort. Que son deuxième costume, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas mal pour un deuxième costume, c'est honnête. C'est honnête. Notre participante suivante nous vient d'une série que vous aimez tous dans la salle, je suis sûr. Si je vous dis Senseiya, je vous demande donc d'applaudir très très fort Hilda de Polaris. Allez, Japan! En solo également, me vient de la série Vampire Hunter D. Je vous demande d'applaudir très fort Camilla.
applaudit très fort Camilla de Vampire Interdit. D'accord. Nos prochains participants sont deux combattants en armure. Dans le style métallique rouge, je vous demande d'accueillir très très fort Kiba et Galo de la série Ugo Kishi Galo. On les applaudit très très fort. Merci à vous. On peut encore les applaudir très très fort, c'est quand même deux costumes assez impressionnants. Et bouger et faire une prestation là-dedans, c'est pas simple.